Yo! Je décède! Salut tout, salut Belfi! Mareux! Héros HL! Putain, moi j'allais me connecter en mode ouais, je suis sûr, ils ont fini de creuser dans le dôme, tout ça, Tom, tu sais. Non. Non, ils ont même pas continué. Non. Non. C'est-à-dire que non. Non. C'est non. Bon, du coup, j'en ai profité pour. J'ai vite fait la décaler, la water au meilleur. En vrai, il faudrait que je remette une petite source d'eau. Mais j'ai une petite flemme. Non, on va faire ça. On va faire ça vite fait. J'ai une petite flemmite aiguë là, mais on va quand même le faire. Du coup, alors oui, il n'y a pas le son du jeu. Il faut qu'il y ait maintenant le son du jeu. Let's go. C'est bon, alors celle-là doit chier dessus quand même, je pense. Mais bon, c'est pas au pire de la 96. Ouais, c'est bon. Bon, c'est bon. Allez, fou, il va remettre le jeu. Regigi, comment as-tu? Le son du jeu, bim bam boum. Bon, ce soir, concrètement, on envoie les trucs dans l'espace, hein, théoriquement. Voilà. D'ailleurs, je viens de voir un tweet marrant de Twitch. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant sur Twitch. Quand les streamers ils vont aller dans leur truc de. Dans leur tableau de bord, il va y avoir une catégorie OPSP. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une catégorie dans laquelle t'as les OPSP de Twitch. Je sais pas comment ils vont se démerder pour faire ça.
Je sens qu'il va y avoir, je sens qu'il va y avoir des soirées, je sais pas pourquoi. Il va y avoir 500 000 streams sur un vieux jeu tout pourrave. Et on va se demander pourquoi. Hein. Non, en vrai c'est bien et en même temps je pense que ça va être chelou. Je sais pas comment ils vont restreindre le truc mais ça va être chelou. Putain, et c'est déjà plein ça? Parce que là il nous reste pas grand chose là, concrètement là-dedans. Là. En espace, il nous reste une 64K qui a l'air d'être difficilement atteignable parce qu'en fait il y a zéro dedans. Pourquoi? Je crois que ça va remplir en prio ici et après ici. Je sais pas comment ça fonctionne. Quand on aura du Ozu en top jeu. Non mais mec, tu vas pas être prêt hein. Il y a un soir, il va y avoir Terraria, mais qu'en top jeu, tu vas rien comprendre. Hein. Ah, c'est full! Ah oui, il y a un deuxième au-dessus. Attends. Deux. Salut le bombé! Eh, ça fait longtemps, toi! Ça fait longtemps! Minecraft en top jeu. Oh, wait. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu au même niveau que Terraria, mais. Bon, on va se démuter Discord. Hein. Je suis tout seul, de toute façon, comme ça, y'a pas de soucis. Alors, je sais même plus où on était. Bon, on était que de toute façon, en fait, la dernière fois, on était sur la Lune. C'est-à-dire qu'on avait fini notre fameuse quête qui demandait. Enfin, on avait fini la quête qui demandait de faire une fusée, entre guillemets. Qu'on avait plus ou moins customisé à l'arrache. Et une autre quête secondaire annexe qui demandait d'aller sur la Lune et d'aller à un truc spécial. Alors, coucou! Après, il y a quoi comme truc à faire là concrètement? Space Station Assembler. Ah, ça, ok, ça c'est pour la station spatiale. Satellite Bay. Space Station is cheap. Satellite B. Pourquoi il en faut deux? L'espace. J'ai rien compris. Bah quoi, faites pas les 60 des x4 pour les luttes de mobs. J'en ai aucune idée à HL. J'en ai aucune idée, c'est pas moi qui gère le drawer donc pour moi, c'est pas moi qu'il faut demander ça. Mais... Cher des blocs d'aluminium, tiens. On va ranger un peu tout le bordel qu'on a là-dedans. Un pauvre BX, j'espère qu'il est pas dans le nether en train de faire les trucs parce que là je dois le faire laguer de ouf et faire les crafts. Ouais, je dois le faire laguer de ouf là. Et par contre, ouais. C'est chiant que. Refine Storage est toujours buggé sur ce genre de craft. Refine Storage est toujours buggé sur ce genre de craft. Genre, je sais plus quel modpack, on a vu la même. Il y avait un modpack, on a vu la même. Beyond Minecraft ou je sais pas quoi, on a vu exactement la même. Tu voulais faire des crafts comme ça en boucle là? C'était avec l'Inferium, tu balançais un craft de truc d'Inferium de tier 5 là. Le serveur était en PLS du cul. Bah, c'est pareil. Cherche pas trop, c'est Ikea. Mais non, c'est pas moi qui fais le truc justement. Et pour une fois, c'était pas moi le responsable. Et re Black Peace. Black Peace plutôt. Pourquoi chaque fois je dis Black Peace Peace? On va peut-être commencer par mettre un satellite. Je sais pas si satellite en orbite, faut pas la station spatiale. Non, c'est un truc qui a rien à voir. Mais satellite builder. C'est-à-dire ça peut aller long. Ça peut aller long et chiant comme truc ça dit donc. Satellite builder tu le fous en fait. J'ai plus de piles, par eux. C'est Peter. En fait j'essaie de comprendre comment ces deux trucs fonctionnent. C'est-à-dire que t'en as un, il va falloir un Space Station Builder. Ouais je vais les poser, on va bien voir. De toute façon on va crafter, on va commencer par Space Station au pire. J'ai posé ce qu'ils nous demandent. Et puis voilà, j'ai arrêté de faire des crafts parce que ça va faire laguer tout le monde, ça va faire chier tout le monde. Donc, alors concrètement, commençons par le petit Space Station Builder. Là, il nous faut une Space Station ID Chip. Donc concrètement, un linker qui prend 2 secondes à faire. Avec un petit circuit. Ensuite, il faut une Space Station machin. Genre, on n'a pas de deal sur moi. Ça se grind ça? Ça se grind. On va grinder ça vite fait. Combien de dumps? Là j'ai des remontées comme si j'avais bu du coca mais j'ai pas bu de coca. C'est triste.
pas dire monter ça. Et voir l'uranium si ça a baissé un petit peu depuis cet après. Ouais, ça a perdu un stack. On était à ça, non? Ou ça? Je sais plus. Bouf. On est large de toute façon. Puis il doit y avoir masse uranium de cuit dans la plaid avec le merdier qu'on a fait. Avec l'automatisme. Salut Alexis. Comment vas-tu? Avec tout l'automatisme, enfin tout l'automatisme, non, avec les deux trucs de merde qu'on a posé là. Qui dit tout l'automatisme, il a posé deux pauvres trucs. Mais au moins ça vide et au moins ça raffine un petit peu. Je pense que le miner il mine plus de minerais que genre de cuit, mais voilà. En vrai l'uranium, oh oui putain, on va en foutre un peu en bas parce que ça va vider. Faire ça. Coucou empereur. Et ça va nickel Alexis. Ah. Aussitôt connecté. Aussitôt déconnecté. J'aime pas si. Non, c'est rien que je prenne un full inventaire, là je vais pas le remplir. Moi je prends ça. Ouais, ça rentrera pas, je pense, dans le coffre. Je pense que le full inventaire il rentre pas. Un stack et demi prêt. Kick pour fly. Bah, après les 3 reboots qu'on a fait, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait encore des kicks pour fly, non? Salut Yuri Marin. Salut, salut. Du coup, c'est déjà mieux. Titanium, il nous faut du titanium. T'en fais voir s'il n'y a pas une machine pour faire ça là. Si, mais c'est encore les machines cheloues de l'autre mode. Encore une machine du cul là. Ça tombe bien, on est sur la bonne presse. Il va falloir que je refasse en vrai un petit peu de ça, les silicones là. Les silicones boules. Silicone boules, je crois qu'on en a un petit peu. J'en ai plus beaucoup de circuits. Ça part assez vite en fait, vu qu'un peu moins toutes les machines m'en demandent. Putain, j'en étais sûr, j'aurais dû en faire plus. J'en étais sûr, je sais pas pourquoi. J'ai un pressentiment. Le truc qui disait, faisons pas que deux. Le petit running gag, kick pour fly. Ah ouais, mais hier c'était pas trop un running gag de reboot là. Surtout pour un pack modé. Non, mais en fait, non, mais les trucs kick pour fly, je sais pas pourquoi c'est un truc activé de base en fait. Ça doit être un truc justement qui est désactivé de base et que t'actives toi-même en fait si jamais t'es sur un serveur de kéké en fait quoi. J'en sais rien, enfin. Je sais pas. Je suis derrière par ce truc là. D'ailleurs, là je fais le malin. Mais je vais être à rate de trucs en fait là. On va en faire un petit peu de. Ah putain, c'est vrai que c'est des. Eh non, là-bas. Ouais, je vais en faire, il m'en reste une. Là, ça fait deux jours, je me dis. T'inquiète, t'as du stock. Mais bon, la lenteur à laquelle ça se craft cette merde. On va peut-être en refaire un petit peu. Du coup, tac-tac. Enfin, celui-là, j'ai déjà crafté. Ah, mais c'est les deux mêmes. Okay. Ah! On est plus de ça! Ah, mais! Je te connais. Hop! Et titanium rod. Moi, bon, pareil, je vais en faire un petit peu. Allez, on va faire 8. On va en prendre 8 plutôt. Ça va en faire 16. Donc. Mais ce câblage dégueulasse là, dis donc, y a pas moyen de le mettre autrement. Ah! C'est vrai que maintenant qu'on a creusé. En plus, le truc qui fait un vieux détour tout pourri. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai branlé? Comment je me suis pris? Parce qu'en vrai, tu as juste à faire ça, j'atterris directement dans la machine. Comment je me suis pris? C'est parce qu'avant j'avais mis l'oxygène pad en pensant qu'il fallait l'alimenter. Puis évidemment j'avais mis tout seul dans son coin l'oxygène pad, tu vois. En plus d'avoir mal pensé, j'avais mal agi. Bon, j'ai rebouché en dehors, c'est vraiment dégueulasse. Quoi. Mais en plus y'a rien à brancher ici. C'est pas du tout suspect. Et regardez. Regardez comment on modifie un truc en deux secondes. Voilà!
C'est un peu cramé là quand même, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de comprendre. Ah mais vous t'inquiète. Tu commences à essayer de comprendre ce que je fais. Enfin, si tu cherches déjà à comprendre ce que je fais, t'es mal barré. Que moi-même, je comprends pas. DN code du pauvre. C'est pas une couille, hein. Non, la tête, ça. Ah mais non, c'est la rowing machine. Je pense que c'est la machine la plus lente qu'on a. Pour notre joke. Après, il n'y a pas eu tant d'upgrade comme ça, c'est full. Ouais, c'est ça en fait, c'est full machine structure. T'as juste un moteur en fait. T'as pas de coil à la con ou autre qui peuvent te grade. Genre là, tu vois, j'ai mis Iridium Coil. Ce qui fait que là, tu vois, on a 15-26 de speed. Là, on est qu'à 4. Parce qu'en fait, il n'y a que le moteur qui varie. T'as 4 types de moteurs, j'ai mis le dernier, tu vois. Mais il n'y a pas d'autres trucs ou autres qui peuvent augmenter la speed. C'est pour ça qu'elle est un peu lente comme machine. Enfin, un peu lente. Bah, 10 fois plus rapide quand même que le truc de base, mais. Ça me rappelle ça quand t'avais Fanta et Bob qui faisaient ça là. Des cubes. Et le bon vieux truc. Ah bah. C'est marrant tiens. Je parlais de ces fameuses machines structures que j'avais plus. Bah dis donc. Là ça compte semble combien? 96? Ah je produis 98. Faut pas être exigeant. Et faire des multiblocs plus grands, non? Bah, la machine a fait cette taille-là, j'ai pour faire une grande, si de toute façon t'as oublié de faire une petite. Hein. Ouais, moi j'ai suivi l'hologramme. Ah! Problématique. Ah ouais, mais si je casse ça, ça va tout niquer. Attendez, il faut que j'attende que le craft se termine. Putain. J'ai niqué du verre, je suis un connard, C'est pas grave. Personne ne verra rien, personne sera au courant. Oh, j'ai fait des sources infinies. Oh, oh puis là. Oh, oh non. Putain. C'est bon. C'est bon. 105, très bien. Oh, c'est long. Je peux pas mettre la speed upgrade en plus parce que bah, ma prod est parfait. Space Station Assembleur. Et comment? Non, attendez, attendez. Je veux que vous soyez témoin d'une couille. Ah non mais j'ai rien dit. C'est juste pas fait le bon, j'ai juste pas fini le craft. J'ai cru que j'avais pas crafté le bon. Non c'est bon. Eh hey, mais j'aime bien dire la T moi t'es Kiro. C'est cool de dire la T. Tu fais penser au lait. Je sais très bien que ça se dit pas la T. J'ai pu en être là, monsieur Merdi. Bon concrètement je sais qu'est-ce que j'en fais maintenant. J'ai essayé la quête. En étant patient. En vrai si je le pose là. Est-ce que ça pose un quelconque souci? Invalide launchpad structure. Ah faut que je le mette sur le même truc que la fusée. Genre faut un launchpad pour ça là. On est parti hier dans l'espace 45. À pied. Avec une autre plateforme out of le. Oh. Oh. En vrai. Je fais le launchpad d'ici. Ah mais j'ai un launchpad qui est centré. Il sera plus centré l'autre.
Parce que là. La station spatiale. Concrètement, est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'elle sort là? Est-ce qu'il l'envoie comme ça? Il s'est baladé, ça dit qu'il faut crème. Et con. Tu as déjà fait toi la Space Station à HL ou pas? Ah, ça sort pas? Mais du coup, j'ai besoin d'un autre launchpad? Ça ne pourrait être chelou. Attends, ici, moi, c'est pas des câbles. Je vais les mettre dans un plug. T'as juste à virer ta fusée. Ah, mais elle est full. Non, ouais, je vais virer la fusée. Je vais juste prendre des câbles. Elle est stockée dans un bloc, si je me souviens bien. Ah, ça va pas être envoyé en l'air comme la roquette. Ça va être stocké comme un item et construit plus tard. Okay. Oh, c'est écrit en fait, c'est écrit noir sur blanc. Tu l'as fait la conite? Ah, j'ai pas vu que t'étais là. Carlou. Bah, du coup, je vais péter la fusée en fait. Non, concrètement. Mais ce que j'ai mis dedans, la carte que j'ai mis dedans, je la récupère ou pas? En vrai, j'ai envie de faire un touchpad. Faut décoller un satellite avant de faire ça. Pour la quête, elle est avant. Enfin, elle est en même temps. Oh. Récupère là. Ah, mais c'est pas ça que j'ai mis dedans, moi. Ah, si, c'est ça. Ok. Yes. Ah, je vais terre. Eh, vous pensez que si jamais je décolle, vous voyez qu'il me voit depuis sa base. Je suis sûr qu'il y a moyen. Bon, Dieu, la fusée, tu nous auras bien servi. Pas longtemps, mais tu nous auras bien servi. Ok. Je vais d'abord créer le satellite. Hein. Chier. Chier. Ils ont pas les satellites dans cette quête là. Ah si, ok, ok. C'est bon après. En fait tu peux déjà faire le truc, mais après par contre il faudra le satellite. Builder. Bon, on va crafter les trucs de la quête de satellite. En vrai, j'aimerais mettre un coffre à côté pour foutre tout mon bordel. Je vais prendre un coffre et je vais mettre un petit peu pour tout mon bordel là de fusée et tout ça. On va faire ça. Y'a pas un petit coffre qui te traîne? Ok, 45 coffres qui traînent. Ta carte doit être reliée à destination de la lune. C'est pas grave, je la délie. Non, en plus, elle est, ma carte elle est reliée à la destination d'ici donc. Dis pas, j'ai un problème. Ok. Faut faire 3 satellites différents. Faut faire 3 satellites différents là pour envoyer la Space Station. Oh! Bon, en vrai, j'ai déjà commencé à faire tout ce qui me désole. Hein, concrètement. Déjà on va faire un satellite. Déjà je vais récupérer les machines qui sont derrière parce que j'en aurai besoin. Voilà. J'ai peut-être en avoir besoin de plus en fait. Genre tout le refine qui est là, on va le faire. Pas besoin de satellite pour faire une station spatiale. Mais non, mais moi pour la station spatiale, j'ai pas l'impression qu'il y a besoin de satellite. Hein. Sinon la quête en fait de la station spatiale aurait été après le satellite. Là elle est indépendante. Hmm.
Je sais pas, bon, je crafter les trucs qu'ils me disent et puis on verra bien une fois que j'aurai tout crafté. Satellite builder. Alors concrètement, faut pas mal de choses déjà. Ok. Il faut beaucoup de choses en fait. Il faut le faire des belles circuits du coup. Bon, vous savez quoi, ces deux silicones là, je vais les mettre en belles circuits. Hein. Un point de gold que j'ai avec moi. Prendre redstone. Puis on va faire ça. Parce qu'en gros, il m'en faut là. Après, si c'est par 4, il m'en faut là, il va sûrement en falloir ailleurs. Il faudrait donc l'hume. Oh, t'as accès celle-ci. Quoi, Axel? Ah, ok, Axel. Axel, attends, s'il n'y a pas de conneries. Ouais. Ok, ça c'est good. Là-dedans. Et qui fout Blacky derrière? Qui fout Blacky? Ah, il est en train de crever. Il dit qu'il s'y branle. Ah, c'est dans une machine ça? Ah putain, il faut une émeraude et une redstone. Fuck. Fuck, fuck, fuck. D'ailleurs, il y a Twitch, ils vont bientôt mettre en place un système de VIP. C'est-à-dire qu'en gros, le stream et le streamer pourra mettre VIP n'importe qui dans le chat en fait en mode bon, qui voudra quoi. C'est un grade en fait entre viewer lambda et modo quoi. Mais ça peut être pratique en fait pour voir plus facilement des messages de certaines personnes ou autres ou pour récompenser des personnes qui sont là souvent. C'est cool comme système. Ces modos sont les épées quoi. Ouais mais ils ont aucun droit les VIP en fait. Ah salut Mario. Salut toi. Le câblage va être magnifique sur les murs. Ouais il va repasser sous terre t'inquiète. Moi je vais leur foutre sur terre comme je l'ai foutu avec l'autre truc. Ah oui, il me manque une titanium plate et il me manque un moteur là. Ah et puis du coup le moteur il manque ça. Titanium plate, rolling machine ça marche. On a rolling machine écoute. On va en faire une dizaine. Comme tous les trucs que je craft on le fait plusieurs fois. Tu décoratif. De quoi donc? Par contre du coup mes machines elles sont un peu posées en plein milieu. Genre en mode à l'arrache. Pas grave. Moi j'avais pas vu en fait qu'on voyait les barres ici. Qui se faisaient écraser là dedans et qui sortaient en plate. C'est marrant. Bon la couleur est dégueulasse hein. Tu sens que les mecs ils ont pas cherché Wesh. Wesh. Ah, je suis pas fou! Sans déconner. Et ta machine! Je sais quoi, Ika? Bon, j'essaye de récupérer mes plates. Ma gueule? Online. Non. TBTR. Oh! Bah, c'est quoi mon adresse mail? Wesh! Ah, c'est de la merde! Quand t'as un problème, tu mets tout sous terre, c'est plus simple. Oh, bon, surtout au niveau des câblages. Putain, mais je fais des codes par Mojang. Mojang m'a dit fuck you. Ça m'a pas rendu mes plates par contre, mais. Petite machine de merde. Elles sont où mes plates? Ah, mais. Non, alors.
Je veux bien que tu me chies à la gueule, la machine. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris que t'en as rien à foutre de moi. J'ai compris. On va changer de machine. Hein, voilà. J'ai compris, t'as plus ton petit mur derrière toi. Tu fais la gueule. C'est bon. C'est pas le bon. Et quoi, c'est pas le bon? C'est dans la rolling machine. C'est pas le bon, c'est le bon. Je viens de crafter. Ah! Il y a tout jeu qui me prend en fait là. Ça aussi, je l'avais crafté ça. Ah ouais, très bien. Timario pour aider bibites. Bon. Ah, s'il faut que je fasse 15 fois les crafts, on va pas finir. Hein. Bon, power input. C'est bon, ça, ça marche. J'ai bien. Hein, voilà. Ah, il est là. Hein. C'est bon. Comptez. Il est compté. Ah, faut que l'on craft ça. Ah, c'est chiant. Ah, c'est très chiant. Et mode. Autant qu'on y est, il y a pas un autre truc à crafter avec. Genre satellite, ID chip. Merde, je t'ai dit dessus. Bon, ça moi c'est pas compliqué. Bon, est-ce que l'autre machine va me pisser au cul? Non mais... Mais non mais... Ok. J'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur. Ouais, je sais pas ce que là la relie machine. Hein. Bah, j'ai essayé de refaire un craft en dedans, mais. Elle veut plus de moi. Ok, yes. Ah! Ouille! Ah bah tiens. On a pas l'air de refaire un craft dedans. Et donc. Comme de par hasard. Salut. Et on va en faire plusieurs. Donc, faut que je fasse des aluminium plates hein, et que derrière je fasse des aluminium shit. Tu me trolles. Oh. Je vais faire celui-là peut-être. Ah bah non. Ah par contre, j'aime bien qu'on me prenne pour un con. Hein. Mais ça, ça mieux et tout. Ouais, peut-être la remettre on. Ah, ça va mieux. J'ai déjà des plates d'aluminium. Oh, c'est pas grave. J'en aurai plus. Jamais trop de ressources. Tu vas aller. Hein? Aujourd'hui, je vais aller où? Sur quel truc? J'en sais rien. Non bah là déjà on va essayer d'envoyer les satellites, on va essayer de faire la Space Station. Et puis on va bien voir comment ça se passe. Ok, donc ça c'est bon. Un petit châssis, okay, on s'en met les couilles. Sur la panel, on va essayer d'en faire un bon. Si le satellite il fait la gueule. Ah oui. Ah oui mais ça va. Ah ça va pas, il gold. On a un petit steak. Attends, si je fais ça, ça marche aussi dans la... comme ça. Ouais. Nice. Bon du coup c'est bien, c'est qu'en plus bah, pendant ce temps là la machine d'oxygène elle s'était bien remplie full. Donc là moi je suis full en énergie perso, je pense que tout le monde est full... enfin en oxygène, je pense que tout le monde l'est aussi. Bon, on sera tranquille. Même si on a vu qu'hier en étant à moitié d'oxygène, hein, concrètement, tu peux rester je sais pas combien de temps dans le vide. Hein. On n'a rien à faire. Il en faut qu'un de sur la panel pour satellite. Chelou. Ah.
Oh. Faut vraiment les deux trucs là? Non, parce que si icône bouboule, tu dis comment? Ah, kiki quoi? Qu'est-ce que donc? Je me heal. Ah bah, heal-toi Mario. Merci. Merci beaucoup. Heal-toi donc. Merci beaucoup à toi. Oui, c'est une boulet. Ok, donc ça c'est good, ça c'est good, ça c'est good. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est de la merde aussi. Ah. C'est deux redstone. Un gold. Et puis Ender Pearl et Blaze Powder. Enfin, Blaze Powder. On a déjà commencé à faire ça, la petite Blaze Powder. Enfin, l'œil de l'end. T'as des respirations sur ton casque? Oh, mais j'ai tout. Bah, j'aurais pas pu survivre dans l'espace sinon. Enfin, sur la lune. Moi, je suis allé comme ça sur la lune, non? Après, si tu parles de respiration ou l'enchantement, non. C'est là-dedans. Non, t'as rien. De quoi j'ai rien? Si, j'ai l'enchant Airtight Cell qui permet en fait, en gros, à l'oxygène d'aller partout dans ta combinaison. Parce que je suis sur les jambes, bien. Concrètement. T'en es où dans le mode pack? Vers la fin. Concrètement. Après, il n'y a pas d'autre mode, donc. Enfin, si, il y a Project E. Je trouve aucun intérêt à faire Project E, surtout si t'as pas. 3 quarts du mode, donc. Crystalliseur. Cool, Crystalliseur. Crystalliseur. Beaucoup, toi. Faut que je chasse quoi là-dedans? Alors, pas ça. Ça. Okay. C'est mieux dans l'input. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai mis l'output à gauche cette fois-ci. C'était une des premières machines, je pense, c'était pour ça. D'ailleurs, elle est en off. Oh, j'ai jamais utilisé en plus, elle est stylée. Elle est sympa, elle est sympa. Alors, ça après, il faut mettre ça où? Cutting machine. Ça m'aurait étonné de toute façon de voir le mettre autre part. Les trois objets de la quête, c'est pour les différents satellites. Un satellite pour ça, un satellite pour ça. Et Ah non, ok, un satellite avec ça, un satellite avec ça et un satellite avec ça. Et en gros, chaque satellite, il faut lui mettre ça. Oh. Bon, on verra bien, de toute façon on va envoyer au premier, on va voir ce qu'il nous dit, puis voilà. Merde. Hein. Ok, donc là théoriquement on peut faire le sensor. Pas plus anglais que ça dans un truc. Bah en fait, il y a tout ça par exemple que je pourrais faire, il y a tout à plate que je pourrais faire, et pour l'instant m'intéresse pas plus que ça. Il y a tout ça à faire. Alors après, là t'as quand même énergie infinie, GP infini, storage infini. Donc t'as pas mal de trucs. Et j'imagine que ça c'est des trucs de bâtard aussi, tu vois. Donc non, après c'est un peu les trucs overkill, mais sans plus intérêt que ça, tu vois. C'est un peu comme si tu faisais du semi-draconium, mais juste pour les outils, tu vois. Sans même avoir l'armure cheatée et autre, quoi. C'est un peu ça. Et encore, je pense que c'est même pas au niveau d'un semi-draconium, tu vois. Je pense que c'est vraiment caca. Ça, Sibarius. Elle fait un pour l'instant, ok. Si j'en chie, de toute façon, à chaque fois, faire les crafts. Hein. Ok. Il faut du dilithium. Et quoi, dernier anglais? C'est anglais de trophée des mobs, différents trucs. Les T6, j'en ai pas vraiment d'intérêt en fait. Là pour le coup. Vu que j'utilise quasiment qu'une ressource, hein, Mario. En fait, c'est ce que je disais, ce modpack là, c'est pas un modpack vraiment de l'EDM, de faire les trucs hardcore, tout ça. Enfin, en tout cas, moi là, je suis pas sur une optique de vraiment faire un base de bâtard route, tu vois. Avec tous les trucs overkill. Hein. C'est pas vraiment un modpack qui est adapté à ça. C'est d'ailleurs pour ça que de toute façon t'as 3 quarts des mods où t'as des trucs qui sont pas disponibles, c'est que des trucs overkill, donc j'ai envie de te dire pas de draconium, t'as pas de machin, Project E t'as rien dedans, t'as rien en fait. Et il nous manque Rocket Machine, enfin Rocket Monitoring Station, donc ça c'est le truc qu'on a crafté tout à l'heure je crois. Pas du tout.
Bon, en vrai, vu le copper qu'on a, vous m'excuserez, j'ai la flemme de descendre. Ça change quoi si je mets qu'une simple batterie ou j'en mets une bien? En vrai. Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change rien. Ah! Tu la craft, non? Ah, mais le T6. Ah, ok, non, je pensais que tu parlais de faire plusieurs T6. Non, le T6 il est en bas. Le T6 il est en bas, il produit bien. Hein. Il produit bien. Quand tu regardes, hein. Puis après tu regardes genre Iron ou autre, on a même ce truc. Parce qu'en fait, l'Iron, là j'ai en gros j'ai fait un système où j'ai pas mal de minerais tout ça qui se raffine tout seul. Je viens de crafter ça. Ok, il nous manque satellite. Satellite terminal. Il refaut une batterie. On va en refaire. Ah non, j'en ai refait. J'en ai fait 4. Hop. Tac. Ok. Là, normalement, on a la quête de Valide. Sauf que théoriquement, il va me manquer 2-3 trucs. Genre ça. Mais c'est pas grave. Déjà, on va aller sur place. On va aller au lieu dit. Et on va voir ce qu'on peut faire avec nos trucs. C'est dommage, il est court ce mode pack. Après, faut pas oublier qu'on est 3 dans la même base, à faire les crafts ensemble, machin machin. Hein. Là, tu vas chez BX, tu te dis pas c'est dommage, il est court le mode pack, tu vois. Mais au moins, pour une fois, on arrive au la dième mode pack. Parce qu'après, les mode pack longs, souvent, nous on les arrête, on a fait la moitié du truc, tu vois. Donc bon. Je pense que ça j'en ai pas besoin. Alors, du coup, là le plan, je fais quoi? Là le plan concrètement, je fais quoi? Parce que bon, déjà j'ai désassemblé mon truc. Ça va pourquoi? Ma tête là me dit de construire ce que tu veux envoyer dans l'espace. C'est-à-dire, je vais faire une bite en cobble, ça va, tu vois. Leur fond des minerais et tout ça. Ouais, mais en fait c'est des trucs chiants que théoriquement tu le fais, tu vois, donc du coup ça prend. Bon, en fait c'est des trucs qui prennent beaucoup de temps quand même. Puis vous avez quand même farmé 90% des ressources au début, donc Satellite builder. Le satellite builder, je pose au feu ou. Ah ouais, si je fous ça comme ça là, à l'arrache. Il a plus l'air qui fait le câble. Il a plus l'air qui fait tout court. Ah, il a plus l'air qui fait non plus. je crois qu'il y a un truc qu'il aime pas. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai un doute. Je pense qu'il y a un truc qu'il est pas fan. Ah, il est déjà plus fan. Ok. Bon, imaginons, je veux y envoyer un satellite avec son petit solar panel là, son petit sensor, ou quoi d'autre. Un ID, un data storage unit, j'imagine. Dans le satellite terminal. Ça demande de l'énergie cette merde. Oh. Après t'as fait le tatouage, tu es dans le satellite terminal. Ok. Donc en gros. Wesh, c'est bien ça.
serait genre comme ça. Un peu chelou quand même. J'ai un doute, j'ai un sacré doute aussi, mais. Satellite chassis into the top left slot. Satellite ID chip in the slot 1 to the right. Is the slot. IO slot with data storage unit. Data storage unit. IO slot data storage unit. Satellite ID chip juste à côté. Ouais, tout ce que j'ai compris, c'est ça. Ce que j'ai compris, c'est ça. Satellite châssis tout en haut à gauche, juste à sa droite, et les chips. Le data, pas maintenant. Ah, il me dit de le mettre là. Mais comme ça, c'est good, Draconite? Ah, pour déterminer le type de satellite, insert satellite. Ah, ok. En gros, ça détermine le type de satellite. Et où le troisième type? Ah putain, j'ai oublié le ticket à sensor. J'ai utilisé pour crafter. Le data, c'est pour le satellite terminal. Ok, ok. J'ai un doute. Ah, moi j'ai le bouquin. Hein. Le bouquin il dit là tu mets le truc tout en haut à droite de ce qu'ils disent que c'est. Donc après, moi le data storage unit, s'ils me disent de mettre là, je le mets là. Pas pour ce que ça m'a coûté de toute façon. Ça vient, faut bien les récupérer les data. Bon, on va en foutre une là. Je pense que j'ai fait. Wesh! Oh! Je le connecte? Pourquoi j'ai pris toutes les planètes, hein? Milos. Into a satellite bay on a rocket. Ah, faut que je mette une satellite bay en haut d'une roquette. Quel connard qui m'a dit de désactiver le truc là. Qui est le mec qui m'a dit qu'il fallait que je pète ma roquette? Hein? Honnêtement. Tu dis qu'il faut bonne life là. Là faut que tu fasses une fusée que tu reverras jamais. Ah bah adieu hein. Ah du coup le siège on s'en bat les couilles. Merde, pas ça. Le plus vite possible. Alors ça? C'est pas une fusée ça? C'est
C'est un suppositoire. Quoi cette connerie? Ça va jamais s'envoler ce truc là. Sans deck. Bon, je te fais confiance hein. Et du coup mon satellite j'en fais quoi? Ah bah scan. Ouais ils vont me dire suppositoire en gros. Mais en fait j'en avais pas besoin de ça. J'utilise quand le satellite terminal? Un peu la gueule niveau fuel. Sinon ça va. Est-ce que je rajoute un truc? Est-ce que je rajouterais pas un petit truc? Un petit réservoir. Un petit. Ouf. Ajoute de réservoir. Il est bien plus solide. Il y a plus petite possible, mais maintenant faut que je me foute tous mes réservoirs dedans. Ça va. Encore, j'ai même pas mis de satellite. Je vais me faire scanner, je vais t'irradier. Et là, le satellite, concrètement, faut le foutre là. Chelou. Oh, chelou, non. Ça sert à quoi, ça, le connecter, ça? On est dans l'espace. Oui, mais j'ai pas besoin de le connecter ou faire quelque chose avec ça. Il faut un linker. Il est où le linker que j'avais? Il est là. Ok. Donc là en gros, je la build. Ah oh, ça va mieux déjà HL. En vrai. Ben, ça va, il va arriver le satellite quand même. Là j'ai pas foutu toute... j'ai pas refoutu la fusée d'avant quand même. Au pire je fous la fusée d'avant, au moins elle est sûre qu'elle décolle. C'est stylé ce mode, c'est stylé mais c'est compliqué. Merci à toi White Beat Mario. Il est stylé mais il est complexe. Disons que quand t'es débutant et que t'as pas de livre de quête C'est pas un problème de moteur. Mais je sais que c'est pas un problème de moteur, c'est un problème de fuel. J'ai la poussée qu'il faut. Le poids il est good. C'est juste le fuel en fait qui manque. Mais là, là ça va, il est pas dans le rouge le truc non plus, je suis quasiment au milieu. Moi je dis... Pire si la fusée retombe, ça ira chez VX hein. C'est que tu vois la fusée qui retombe chez VX. Bon, maintenant faut que je link ça. Twitter. Bon, déjà on va link ça à ça. Merde, ça fait que je vais link encore. Non mais, arrêtez de me troll les gars. Oh! Je veux pas link avec ça là. Ah j'ai pépé.
chouin d'ailleurs. Et ça marchait avant quand je liquais ça directement la fusée, pourquoi elle savait pas? Là tu parles mais tu m'assèches si tu veux. Oh, ça sert à rien, je crevais. Message Link Error. Faut que je fasse un Linker aussi. Elle est pas build. Et si je l'ai build? Je viens de la build. Ah, elle est peut-être à build parce que peut-être qu'elle est pas bonne. Peut-être une Astral Capacity. Putain! T'es fou de ma gueule, toi? Et gros, c'est plus du fuel qu'il faut là. Ah oui, bah c'est plus gros que mon truc maintenant. Putain, faut que je ramène une structure tower. Pas d'identité. Bah oui, de toute façon, elle peut plus être build en fait. En fait, si t'as pas le truc du milieu, du coup, t'es niqué. C'est pas une fusée que j'envoie. Ah bah non, c'est pas une fusée, c'est un satellite. Citerne à ce niveau là, mais putain. J'ai demandé un partenariat avec Total. Tu m'étonnes que ça parte du Kazakhstan ces trucs là en fait là. Oh, ils sont à côté du pétrole. Eh BX, faut pas qu'il y ait dans la base, il fait de ma gueule avec mes fusées. Non mais je vous dis, hein, au pire on fait la fusée d'hier, là parce que de toute façon à ce rythme là j'aurais plus de full tank. Je fous le truc d'hier, je foutu. Pas de pétrole dans une fusée, mais je sais qu'il n'y a pas de pétrole dans une fusée. La fumée elle serait un peu noire sinon quoi. Ah. Bon. J'ai compris. Plus t'en mets, moins t'en as, c'est ça. C'est ça en fait le délire. C'est que plus t'en mets, moins t'en as. Bah oui. Non mais ça me semble logique. Non mais écoutez, on va repartir sur le même truc qu'hier. Parce que là, le jeu, ils nous feront pour un con. Pour un deuxième moteur. Ah, t'inquiète. T'inquiète. Il faut trois moteurs. Voilà. Pas exactement le même truc qu'hier. Et là, Iskian, ça marche pas. Toi, ça n'a pas la peine. Je m'en fous de perdre des ressources. Je veux que ça décolle. Mais de toute façon, non, mais regarde, au pire, le moteur que j'ai mis en plus, c'est le moteur d'Apollo que j'ai choisi. C'est ce qu'il faut se dire. Ah, on est potes. Peut-être retirer ça du coup. Non parce que c'est bien mais ça scanne pour rien quoi. Et 8 temps perdu. Bon c'est bon moi ça t'aide à partir un jour. Bah, du kérosène spécial ça se trouve c'est des patates hein, qu'il y a dedans, t'en sais rien. Puis du coup, de toute façon, c'est les Russes. Quand je dis partir du Kazakhstan, c'est que c'est les Russes qui partent. Je pense que Elon Musk a pas parti du Kazakhstan quoi. Sinon, il va s'en prendre plein la gueule. On peut commencer à lui parler chinois après. Link successfully. Ok. Link successfully. Ah. On voit le fuel qui monte tranquillement. On voit l'altitude. C'est... Alors, on va peut-être mettre le satellite quand même parce que ça serait con que la fusée partant. Comment tu crées ton fuel? J'ai un électrolyseur qui me produit de l'oxygène et de l'hydrogène. L'oxygène j'utilise pour la combinaison et l'hydrogène pour le fuel. D'ailleurs je suis en train de tilt en fait que mon oxygène là si je l'utilise pas. Ah mais si elle l'utilisait pour la machine, j'ai rien dit, elle l'utilisait pour le fuel.
En gros, en fait, pour la machine, en gros, après, j'ai un. Comment ça s'appelle ça? Chemical Reactor, qui utilise de l'oxygène et de l'hydrogène, et qui me fait mon fuel, simplement. Wally Wallou. Ah là, BX, il assiste même pas au décollage. Petite bête. Et là, concrètement, je peux décoller? N'oubliez pas la carte de navigation. Je veux bien. Elle est où? Elle est là. C'est ça la carte de navigation? Pas besoin, je crois. Là c'est pas de la croyance qu'il me faut. Ouais, là faut être sûr. Il est dans ce computer. Select destination. Mais c'est un satellite, de toute façon tu le fous en orbite. Il n'y a pas de destination. Bon, moi théoriquement j'ai posé toutes les machines qu'on m'a fait craft. Ah, la musique. Donc là, j'appuie là-dessus. J'ai même pas sûr que l'ordinateur de guidage soit utile. Non, non, il dit c'est clairement, c'est le même que les rogues tête normale sont les sièges. Eh, écoute. Ah, ok. Wesh, je vais te connecter, moi. Ah mais j'ai pas de satellite. Peut-être pour ça. Il est pas encore bien. Fais un doute de ta carte. De laquelle? Ok. En gros, je prends ça là, je clique sur un bouton à la con, right to secondary ship. En gros je mets ça là, j'en mets une autre à côté et je fais une copie de ma carte. On va chercher une carte à côté. Les autres ils font les kékés à côté à lever les bras là. Y'a de quoi. C'est Zerlio. Merci Mario pour les 10 bits. Merci beaucoup. Ouais, c'est pour ça qu'on est dans l'espace, ce que je viens de comprendre. Et du coup, ça je mettrai là, je connecterai quand le satellite sera dans l'espace. Et puis le satellite, on lui dit, tard plus. Où le décompte? Ah, je crois qu'il n'y a pas de décompte. Oh! Adieu satellite! J'ai repété le truc en haut? Ouais, j'ai repété le dôme. Oh! Adios! Adios, j'espère que j'ai rien oublié. C'est là que c'était le mec, il a sa tête dans la main. Et merde. Fus satellite. Oh. Il va vite le con hein. T'as mis quoi comme upgrade dans le satellite? Bah un solar panel. Ah, en vrai attendez, je suis sûr que je peux aller dans l'espace comme ça. J'aurais pu tuer l'avant derrière mais. Ah bah y'a plus. Oh. Faut nommer le satellite. Pourquoi? Eh je suis couche 600 hein. Ouais j'en y crois. Non, pas grand chose hein. Oh, de la fumée. Eh y'a encore la fumée hein. Je pense pas. De quoi? Je fais les tests. Il est fumé. Elle va jusqu'où la fumée? Elle va jusque là. Ah oh, bah adios. Bon bah je reviens.
Oh. Ah! Oh putain! J'étais pas centré, j'ai failli m'écraser sur le dôme. Bon. Connect. Ok. J'ai quoi avec ça? Merde. Faut pas que je mette un truc là? La télé, il est pas nommé. Bon, il a la composition de sa scanner, ce qu'il a comme nom. Mais une puce de données, la puce verte. Ok. Oh! Faut l'en craft une. C'était le truc avec un circuit, avec machin, etc. On est d'accord. C'était c'était ça là. C'est ça. Des circuits. J'ai plus de quoi en faire. Ok, let's go. Faites en 3. Satellite. Oh. On va aller chercher de quoi en faire 3. Mais ça t'est chic, faut que j'en fasse 3, mais. Ok, alors ça c'est bon. Et ça, on met ça là et ça là. Voilà, on a une petite puce. Hop. Mais du coup, est-ce que des satellites hein, terminales, il va m'en falloir plusieurs. Et maintenant, je clique sur quoi? Store to chip? Data 14. Oh. Ah, coucou, ça y est, je t'ai pas vu. Enfin, si, je t'ai vu. Je t'ai vu sans t'avoir vu. En plus, si je t'ai dit salut, moi oh, je sais plus. J'ai des messages sans lire les pseudos en fait. C'est pas grave. Avec le temps, ça va générer des données. Qui? Bon, bah là concrètement. Bah, de toute façon, ça c'est deux autres satellites que je vais faire. Donc il va falloir deux solar panels, deux satellites. En plus. Et deux satellites ID chip, hein, concrètement. En gros, je fais deux trucs ça, deux trucs ça et deux trucs ça. Ok. Ika devient vieux. Non, je deviens con. Non, j'étais déjà, mais je deviens plus. Je fais la vitesse en arrêtant les solar panels. Ouais, alors après je suis pas non plus là pour que le truc qui me chie les data à 3000 à l'heure, hein. Et qui a des mains? Pour tes murs tu mets quoi? Bah, c'est la grande question qu'on se pose. Moi je voulais mettre des trucs qui font un peu espace, tout ça. En fait, j'hésitais avec les factory blocks là qui étaient sympas. Il y en avait deux qui étaient sympas de factory blocks. Il y avait le bleu qu'on avait en bas dans la salle et il y en avait un autre un peu plus foncé. Concrètement. Mais sinon, je sais pas quoi mettre. Le souci, c'est qu'il y a manqué les trucs d'aluminium. Bingo. On va refaire. On aura deux satellites terminales. Ah. Ah mais bon, le premier satellite que j'ai mis, de toute façon il a qu'un solar panel, donc autant que ses potes en aient qu'un aussi quoi. Ce serait pas fair play pour lui sinon.
Et du coup, il me faut deux sites de builder en plus là. Chier. Ma terminale. Oh. Ouais, qui a. Les blocs d'apatite. Hein. Ah, les blocs d'apatite sont stylés. Non mais tu déconnes. Mais les blocs d'apatite sont stylés. Après, c'est moins stylé parce que ça fait, y a pas de jonction. Non, les blocs d'apatite sont stylés, mais en mur, ça ferait dégueulasse. Non. Bah du coup, non. Je vois pas un sol full comme ça en fait. Faut des trucs qui aient une jonction en fait quelconque. Cherche ta fusée, elle a dû retomber pas loin, sans déconner. Ah bon, la fusée qui est retombée là ? Je trouve les hello. Mais il y avait un truc que je voulais faire de stylé Blacky, je vais te montrer. Est-ce que j'ai le chisel sur moi? J'ai le chisel sur moi. Ouais, je sais pas si c'est mieux de le faire comme ça. De le faire. Comme ça. Le deuxième? Deuxième, il fait mal aux yeux. Tu te vois avec un sol tout comme ça, toi? Après, de haut, il est stylé. Tu veux faire toute la salle comme ça? Après, il y a des blocs de gold chisel. Un gold chisel, il est. Gold chisel, ça fait un peu. Cabaret, tout ce que tu veux. Genre, c'est. Non, c'est pas ouf. Ah c'est non c'est pas chisel, non y'a pas les gold chisel, c'est botany machin. Ça fait galaxy, c'est stylé le deuxième. Non mais attends du coup, le deuxième vous le mettez où? Sol ou mur? Mur. Mais vous mettez quoi au sol? J'aurais dit un sol en fer ou en acier. Bah on peut mettre ça en mur. En fait on peut mettre ça au mur. Et au sol, on peut mettre un truc un peu blanc. Fuck. Y'a quoi en blanc? Y'a quoi en blanc acier un peu mat? Bah, y'a des blocs de diamants qui sont chiselés qui font un peu ça. Mais ça ferait cher. Ça ferait cher du cul. Non, mais en vrai, y'a des blocs de diamants qui sont stylés. Ils font mal au cul. La Moonstone. Ouais mais ça fait un peu trop. C'est pas ouf une Moonstone. Ah il y a les laboratory blocks en blanc qui sont très jolis. Et t'en as justement des un peu plus plus chelous. J'ai trouvé. Y'a quoi pour le sol? Allo? Regarde les Futura blocs. C'est pédé ça. Tous les Futura blocs. C'est chisel? Ouais, c'est chisel. Putain, c'est vrai qu'il y a la Void Stone qui est stylée de ouf. C'est vrai que la Void Stone, elle est stylée de ouf. Mais par contre, là, j'ai vraiment trouvé. Non, là, c'est pas du troll. Regarde la Nether Brick chisel, blue. Huitième page. Ah la blue pour les murs elle peut être sympa. Enfin pour le. Ah ouais mais pour le sol tu veux mettre ça. Après à voir ce que ça donne au sol en fait. En fait faut les tester, il faut voir les patterns au sol si jamais ils sont stylés aussi. Mais non la void est cool, hein. Après ça fait un peu trop flashy quoi. Après ça dépend en fait, faut voir les trucs pour y avoir quoi. T'as le chisel pour que je teste? Ah il est cassé. Non, tu m'as dit c'était quoi tes blocs que tu voulais faire toi? Les trucs chelous tu m'as dit. Mes Futura blocs c'était du troll. Ah ils sont où?
C'était assez proche en vrai. Au pire, tu t'appuies sur un bloc, tu vas les trouver. Ouais. J'ai déjà utilisé ça là. Truc avec les fake game contrôleurs. Hein. Après, du coup. Je peux le faire un faux applied, ouais. Question c'est du coup comment on fait pour sol et mur. Sol, on a dit truc. Ok, donc attends. Ah, les murs, c'est ça, ok. Ça, c'est les murs. Va faire un peu comme ça tout autour de nous, ça fera un peu genre l'espace et tout ça, puis après, on verra plus que le ciel, quoi. Concrètement, ça va faire ça. Et le sol. La netherrack est sympa. Putain, mais je me fais enculer par ces machines. Alors, peut-être qu'il y a une ruche en dessous. Ah, moyen fan. Moyen fan de la texture. Le bleu est joli, la texture est dégueulasse. T'as pas un Attends, autre. il y en a un deuxième. Ouais, il y a un deuxième de netherrack. Non, parce que là, la texture, elle est. Je dirais la dirt en texture pack quoi. Ok, c'est exactement la même chose. Je me suis fait. Ah. Il est bien avec quand même une sacrée ressemblance. Ah tu t'es fait, t'as utilisé les mêmes trucs. C'est déjà un peu plus smooth. T'en hésitais avec quoi d'autre? Bah ça dépend si on veut un truc plus blanc-gris. Oh putain, il est trop beau celui-là! Le Tyrian, il a une couleur acier, mec. Il a une couleur iron, tout ça, j'aurais trop stylé. Comment tu craves ça? La piste, Je si je crois que l'ai. je fais des tests. Ouais, mais bleu plus violet sur le mur, ça fait un peu la fête du slip quand même, quoi. L'autre sorte de diamant. Après, les mecs, on a pas 45 milliards de diamants, quoi. Mais sinon, faut que je change le focus en bas, quoi. Bah d'ailleurs, attends, j'ai quel focus en bas? Je me dis pas que j'ai encore le focus à la con pour les minerais de. Ah si, j'ai encore le focus à la con pour les minerais de trucs. Alors, on va mettre le diamond focus, c'est lequel? C'est le cyan. Y'a pas un laine sans rab? Oh, bah y'a deux laines sans rab. Pas du cyan en rab? Y'a du cyan en rab. Du black concrete. En zag. Chinchong. J'ai rien compris à celle-là. Mais il y a pattern, c'est classe. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais de la contrée, il n'y a pas de contre pattern, de toute façon, il fait nuit. Bah, tu vois rien. Bon, je vais juste faire un test avec ça. Ouais, ça fait un peu trop. La routine, ton bloc de diamant. Ah non, il est pas ouf. En plus, il est long à casser. Shiny, shiny. Est-ce que tu me chies? Mais moi, j'aimais bien le truc que j'ai vu là, le Tyrian Shiny Plate. Après, on peut mettre les Valentines blocs, mais. Ah ouais, non mais j'adopte. J'adopte clairement ce sol. Non, j'adopte ça. Moi. On met ça à rien d'autre. Ah, j'en ai rien à foutre. Ok, on fait ça. On va difficilement trouver mieux de toute façon.
Bon. Je vais quand même essayer d'envoyer mes deux satellites, moi. Et de trouver ma fusée. Ah non, ils sont stylés, ça. Donc, c'est les Tyrians. Ils sont très faciles à craft. Ouais, j'ai vu. Je vais les mettre des satellites en orbite. Oh! Un Tyrian pantalon, non, dégueulasse. Faut pas juger tant que c'est pas fini. Pire, c'est pas grave, ça sera flashy. Un pantalon horrible. On dirait les trucs au défilé de mode là. Pour de la base, voir si c'est pas redescendu. J'aurais chié à trouver ma fusée. T'as vu la taille de la fusée? Qu'est-ce que tu la retrouves? Ça serait redescendu où? Genre dans quel rayon? Ouais, si elle retombe sur les montagnes aussi. Déjà on va faire un truc. Oh, c'est brouillard. Deux à trois chunks du point de lancer. Est-ce que le vert ça leur a pas fait chier? Parce que là je fais le tour. Asso est dans la flotte. Après, vu que c'est une entité, est-ce qu'elle n'est pas soumise à certaines règles à la con? Genre à se détruire en, au contact de certains trucs ou. Genre la lave, tout du genre. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de fusée en vue. À moins que je sois Miro, mais. Il y a quand même 3 blocs de large, donc. Après, ça met du temps avant d'atterrir ou quoi? Soit elles sont tombées dans une grotte. Bon, on verra bien. On verra bien. Bon, en attendant, j'ai bu mes trucs. Et du coup, ça y a, est-ce que ce truc-là est nécessaire? Est-ce que ce data storage unit est nécessaire? Dans le bouquin, ils me disent que oui. Dans le chat, on me dit que non. Kika, viens voir. Tu sais, les chunks, ça fait 16 blocs. Hein. C'est pour. Tu là, clairement. Kika. Ce que t'en. De toute façon, moi j'en pense que c'est stylé comme truc. Après, faut en mettre partout quoi. Faut en mettre partout et voir ce que ça donne. Ah, pour l'instant, avec tous les trucs autant, on peut pas vraiment se donner le truc. Moi, je suis mitigé pour le. Pour le mur, je trouve c'est trop détaillé en fait. Il y a trop de motifs, tu vois. Et du coup, je mettrais plutôt peut-être les factory blocks que j'avais vu. Ou alors les void runes. Enfin, les void stone. Puis regardez l'altitude de la fusée, c'était pas con. J'ai envie de me tuer. Après, ça va, t'as rien posé des mains. En vrai, dans les mêmes couleurs, t'as les Void Stone en fait, tu vois, qui sont pas mal. Reste à voir lesquels on prend quoi. Ouais, mais ça, je sais pas, je suis dubitatif pour ces blocs. Lui il est marron dégueulasse. Lui il est dégueulasse tout court. Je veux du clair au sol. Ouais, je veux du clair comme. En fait, je veux du gris comme ça. Au sol. Salut Oxib.
Le plus noir était mieux. Non mais là en fait, noir ou pas, le motif est dégueulasse. Enfin, le motif est trop trop vénère quoi. Non, bah écoute, je vais voir avec les Void Stone. Je vais crafter des Void Stone, je vais faire des tests avec, ok. Non mais j'aime bien ça, Chat, comme truc, moi ça. Tiens, des mains. C'est vrai que le bug de charbon, il fait un peu. Non, y a pas Exchanger. Le tir en français était sympa. Trop de motifs. Elle fait un peu brique en fait. Après, il y a celui-là à voir. Attends, j'ai recraté le tirion. Je vais utiliser les deux pour test. Tester juste là. Ouais, sans armure, tu vois, moyen quoi. T'as bon moyen. Ouais, c'est un poil mieux, mais c'est pas encore ça. Non, je pense pas. T'es tout le mur en béton noir et de temps en temps tu mets des blocs, diamant ciselé. Non, y'a pas Exchanger, t'as mal. Mika qui carotte le chisel. Ah oui, merde! Dema! Attends le chisel. Ah si, il y a des Exchangers, putain, j'ai. J'ai dû me gourer en tapant dans un fall, le check. What the fuck? Après, Ouais, on va faire ça à la main, les gars. Ça vient d'avoir. Ah non, mais il y a bien des Exchangers, mais juste pour faire la salle. Après, en plus, ça remplace qu'en 3 par 3, tu vois. De la carotte du cul, quoi. Bon, déjà, voyons voir le truc de base. Ça fait un peu girly quand même. Hein. Voyons voir le plus foncé. Putain, mais ils cassent les couilles avec leurs briques! Non, bon, à partir sur du black concrete, hein, de toute façon, je pense avec. Avec des blocs de diamants chiselés un peu partout, random dedans, quoi. Concrètement. Je pense que c'est le must. Oh là là. On va abandonner, je pense, nos tentatives. Hein, on va abandonner tout désastre. Ça fait côté mort. Non, non, mais c'est bien le concrete. Le concrete noir, de toute façon, il est cool. Concrete noir, il est cool. De toute façon, on en bas. Concrètement. On a mis en bas. Faudra trouver des torches, hein, des blocs aussi pour éclairer. Yep. Mais je sais, Jérémy, que t'inquiète pas, les Exchangers utilisent sur chaque notepack, mais là ils sont un peu chers pour ce que c'est. Altitude 0. Tibétaire. Qu'est-ce que t'es? Le chisel est concrete? Ah oui, mais là on en revient à un truc, ça commence à partir un peu en couille. Non, puis les motifs qu'il y a dessus. Ah, c'est ça que tu parlais du zag HL, en zag le béton. Le zag concrete. Hein. Bah, go try le zag concrete, tiens. Attends, tu sais quoi, je vais prendre du concrete en bas, on va try le zag concrete. Peut-être qu'on prenait pas le zag en fait depuis le début.
pensais que tu parlais chinois, mais. Là, faut le trouver, hein. Après, sur des murs, je sais pas si ça rend bien la chaîne. Puis la question, c'est si jamais tu mets un truc au milieu, tu vois, ça casse un peu le motif, quoi. Après, c'est cool hein, comme motif. Franchement, c'est stylé. Mais sur des murs, je sais pas ce que ça rendra. Genre sur les murs en angle. Non, les autres, ils ont pas de motif. Pas gênant, ça. Ouais. Bah, à tester, hein. À tester, à tester. Parce que là, tu vois, genre. Me faire chier ça, ce truc. Après l'éclairage sur du blanc comme ça, y a pas, c'est pas très compliqué à trouver s'il faut. Oh le, non non, en vrai c'est sympa le motif est très sympa. Le motif est ultra cool. En plus si tu le montes, ça va faire un bon truc. Donc bah, c'est du bloc concrete quoi, c'est simple à crafter. Bon moi je vais fermer le satellite, hein. Hein non mais oh. Putain, faut que je refasse des. Oh, faut que je refasse des fusées. Oh. Oh. Petite fusée. Dis-moi où t'as atterri. Petite fusée. Peut-être dispo, non? Non, les bleus de diamant là-dedans, ça va niquer le motif. Je suis moyen fan des bleus de diamant là-dedans. Petite fusée nous aura abandonné. Elle sera pris un ovni. Malencontreusement. Malencontreusement. Bah, du coup, rip. J'ai vu le meilleur satellite. Hein. Mais du coup, j'ai pas fait gaffe à ta réponse, Saya. Si jamais c'était. Si jamais il y avait besoin de ça. J'avais demandé, j'ai pas fait gaffe à la réponse. Mais bon, c'était pas un détecteur de fusée justement dans le mode. Pour lire. Bon, je verrai après, je le t'inquiète. Peut-être sur la montagne, mais je check sur la montagne, y'a rien, genre. C'est tombé dans une grotte ou autre. Je vais faire un dernier tour vraiment histoire de bien grader dans leur coin en y allant doucement. Change focus du miner si tu n'utilises pas de diamant. C'est vrai. Mais en vrai, je sais pas sur quoi le foutre de focus du miner, donc je vais le laisser sur diamant pour l'instant. Peut-être que j'utiliserai du diamant plus tard. Hein. Pour les crafts ou autre en plus, souvent. Donc. Avant, j'avais mis sur le focus. De toute façon, avant, le focus c'était sur le truc du mode là et des minerais qu'on n'a pas besoin. Donc. C'est moi j'ai la capacité de stockage de base satellite. Ok, donc j'en ai pas besoin. Ah, on peut, ouais, peut-être. Hein. Et elle retombe forcément la fusée. Elle peut se glisser un petit endroit comme ça, tu vois, mais. Et elle retombe forcément en 2 ou 3 chunks ou c'est. Ça peut être un peu plus loin. Là si elle retombe forcément en 2 ou 3 chunks, elle tombe forcément sur le dôme en fait. Salut les petites piles, bonne nuit. Bonne nuit à toi. Bon, les mêmes sont tombés pas loin de ma base. Ouais bah après s'il faut que je refouille partout, j'aurais mieux fait d'en crafter quoi.
Puis on verra que la prochaine ça retombe. Peut-être je suis pas eu de chance sur celle-ci. Hein. Donc du coup ça j'ai pas besoin. Donc là concrètement je peux le build. Hop. J'en ai parfaite ça. Ah putain mais ça c'était un autre ID chip. C'était l'ancien. Ah bah rip du cul. Pourquoi y'a tout que c'est déclaré? Mais que t'as la SM possédée. J'ai recrafté ça du coup. Ah mais non mais je suis con, je l'avais sur moi. Et là c'est le bug. Voilà c'est plus un bug là. Là c'est clairement board de mission quoi. Bon. Du coup j'ai lui unprogrammed. Te foutis pas de ma gueule. Bah en même temps si à chaque fois tu me redettes comme ça le truc, tu m'étonnes qu'il soit unprogrammed que. C'est bon là. Ah j'aurais utilisé le même. Ah. Ah mais c'est chiant si ça me fait ça à chaque fois que vous regardez. Bon, écoute, lui on n'y touche pas. Mais lui me décale mon inventaire. Et lui me décale mon inventaire. On va aller refaire une fusée. On va faire deux fusées plutôt. On fout deux. By the way, c'est mieux si je fais ça. Et quoi, tu t'as du Myridium là? Peut-être qu'avec ça je peux faire un suppositoire en fait. Pour aller plus loin et plus lourd. Ok. Bon nick. Ah il faut du titanium. Bon, ça fait un effet de pique, mal aux yeux. Ouais mais ça m'a l'air chiant à crafter à chaque fois enfin, de faire les alliages là. Merci Blake. Steel Blade. Rolling Machine en bas ça marche aussi, on y go. Futur fusée perso, autant faire un truc qui claque. Ah pour la fusée oui, pour les trucs suicidaires sur les satellites là non. Non je vais prendre un médoc parce qu'il faut que je le suspends 5 minutes, mais c'est chiant. Juste plus 45 papiers. Bonne nuit à toi. Ok. Oh, c'est un peu si il fait. Hein. Oh. Ok.
Bon, vous voyez comme ça, c'est exactement le même setup que j'avais. Ah, j'ai juste pas. Est-ce que j'ai besoin des trucs qui dirigent la fusée là? Putain, mais de toute façon, j'ai besoin de satellite B. Est-ce que j'ai besoin des trucs qui dirigent la fusée pour le satellite en orbite? Théoriquement pas, j'ai pas besoin de destination. Je l'ai mis pour l'autre, mais. Sérieux? Faut vraiment ça? Bon, bah, fuck it. C'est quoi ça qui la guide? Ok. On va scanner ça. Du coup, je pourrais encore baisser la hauteur des trucs parce qu'en fait, là j'ai deux blocs qui me servent à rien pour le scan. J'en ai même trois en soi. J'en vais en tirer deux. Et un bloc de glow. Il fait quoi le bloc de glowstone? Ah, comme ça tu pourras retrouver la nuit ta fusée. Putain, c'est qui l'ingénieur? Ça pourra pas passer la nuit du coup. Parce que la nuit on est niqué. Je vais te péter deux petits trucs comme ça. Hop. Je vais mettre un petit truc de glow. Et tu sais quoi? Je vais mettre deux trucs de glow. Voilà. Et ça vient comme ça. Juste en chercher deux autres du coup. Là au moins, si je vois pas ça la nuit, c'est que j'ai un souci. Non, c'est la nuit aussi du coup. Ouais, mais de toute façon, il va y avoir trop de fumée derrière, on va rien voir. Bon, on est bien. Clear for liftoff. Fuck la maladie. Bon, ça c'est build. Maintenant, le satellite buggy du cul. Je vais aller là-dedans, petit bâtard. Ok. Faut que je link tout ce bordel. Faut que je link ce bordel. Et là, on va attendre que ça s'empile en fuel. Prochaine étape, la station spatiale. Ouais, ouais. Ouais. De toute façon, il fait nuit. Et personne passe la nuit, hein. Merde. Bon, bah, du coup, niveau flux, on est bien. J'ai rien oublié, j'ai mis satellite, j'ai mis tout ça, let's go! Attends, je vais mute 2 secondes. Je me suis craché les poumons. Oui, il y a plus de flammes qu'avant. Bon, il y a toujours pas de son, mais il y a plus de flammes. Oh! Les petits vétères. J'ai plus vite que toi! Regardez, si c'est bon. Il feinte. Un petit pétard. Bugué là. C'est bugué. Putain, je vois rien que la fumée. Tu veux me cracher ou pas? Non. Bref, pas trop. T'as satellite edit ton chip. Ah, le satellite edit chip ton satellite. Ouais, j'ai foutu dans la machine. Par contre, on en parle qu'on a plus rien en bas ou. C'est mort. Et il est là mon satellite ID chip. Moi c'est plutôt machine de c'est mort qui m'inverse mon inventaire.
Enfin, en vrai, pour prendre KBX, tu fais décoller une fusée dans sa base. Faut qu'il fout le fumée. Et du coup, attends, l'altitude du truc là. T'as niqué ou. Et genre. Ah, retombe à côté! Bah, lui ou l'autre du coup? Ah, parce qu'en vrai, vu la distance où elle est tombée, l'autre elle est forcément autour en fait. Au moins, elle, on la voit. Non, mais je vais la retrouver l'autre. On bat les couilles, je vais la retrouver. En fait, je sais pas comment la retrouver. Pas comment je peux la retrouver, j'ai aucun signe. Tout ça, y a trop d'arbres, y a trop de merde. Faut tout déboiser en fait. Je trouve, il est dans la maison à Déma. Ah, puis la non mais franchement, vu la fumée, je pense qu'on l'aurait vu la fusée. Je pense que clairement, vu le bousin que ça dégage, non, on l'aurait clairement spot. Hein. Du coup, on va peut-être passer la nuit là. Ouais, moi je passe la nuit avec les mobs. D'ailleurs, c'est encore reset, hein, ça s'est encore mis en easy. Hein. C'est-à-dire que bah, BX n'est pas venu jouer depuis. Enfin, si, il a joué tout à l'heure, il était en live, mais avant qu'il soit en live, cet après-midi, c'était en easy. Donc, je sais pas si ça se reset, s'il y a un truc spécial ou autre. Hein. Mais voilà. Oh, t'inquiète, HM. Non, mais c'est le jeu de perdre sa fusée, je m'en fous. Je m'en fous, moi, pour moi, c'est le jeu. Enfin, à dire sans bouche, c'est déjà même pas au courant de toute façon qu'on pourra choper une fusée, donc en soi. T'as plus que 5% de fuel dans le jetpack. Pas con. Pas con, pas con. Je crois que j'allais charger, mais pour ce soir ça va suffire en vrai. Et bah écoutez, on va connecter ça, on va mettre ça dedans. Puis t'es avec moi, ça devrait se faire. 1, 2, 56. C'était long, bugué de partout, c'est immonde. T'en as un qui te met dans l'inventaire tout à droite, l'autre qui décale de 1, l'autre qui machin, l'autre qui te remplace l'inventaire par full beat. Hein. Horrible. Donc bah écoutez, on va refaire une petite fusée. Hein. Petite fusée du fion. D'ailleurs j'ai perdu un liquide fuel tank dans l'opération. Bon, j'ai dû le laisser dans la forêt. Il va falloir descendre le launchpad. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le foot dans le sol et tout. Je ferai ça en live. Je ferai ça en live. Et comme ça, je descends les machines en fait. Il est où mon truc? Ah. Ah. Le truc, il est plus haut que la fusée elle-même. Ouais. Du coup. Comment que tout ça se passe? Bah, on re-scan. On scanne et puis bah voilà. Scan, on build, full satellite, ça décolle. Ça se casse la gueule. Et après faut linker. Ça roule des mains, chouchou. Et faire quoi du coup? Ah, et bulle, et bulle. Oh, j'ai pas cliqué mon truc.
C'est good. C'est good. C'est good. Je vais regarder l'attitude de la fusée là-dedans, tiens, pour une fois. Donc faire le con. Skill mongol qui m'a déconnecté ma machine. Ah, j'ai cassé un câble tout à l'heure, c'est pas tout près. Skill anti-bâtard qui m'a niqué le truc. Pourquoi fonctionne pas la machine? Pourquoi fonctionne pas la machine? T'es vide là? T'es full en oxygène. Oh! Parce que en fait ça prend la moitié là-dedans. Putain. Eh, il est full en hydrogène. Bêtise, tu le fuc. Ah, elle était déconnectée la machine. Et qui c'est qui m'a cassé ma machine? Bon, je regarde sur moi, je leur foutrai si j'ai bien besoin. Les machines c'est débile souvent. Ah oui mais non. Bon au moins ça marche. On peut qu'à attendre. Plus lentement du coup quand même. C'est-à-dire que là on est en bas du E. On est toujours en bas du E. Et sur une planète. Non d'abord faut la station spatiale. Planète on est allé sur la lune hier. On n'a pas de fuel de toute façon je peux décoller. Non mais planète on ira demain. La station gênante ou la station géante? Ça va. Mais la station spatiale, est-ce que tu peux la build une fois que t'es dedans, là-bas sur place, ou est-ce que t'es obligé de la build sur Terre? C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu prépares un truc sur Terre, tu l'envoies, et après tu peux la build là-bas, quoi. Non? Si? Peut-être? J'espère, ça serait chiant sinon. Tu peux la build une fois sur place dans l'espace, ok. Et t'as un système de pressurisation et tout pour après avoir de l'oxygène sur place ou pas? Oui, ok. Bon, faudra m'expliquer hein, concrètement. Une quiche. Hein. Mais du coup, ici, j'ai build de quoi en fait? Grosso merdo. Next time. Non, on a le temps de commencer. En vrai, on a le temps de commencer d'envoyer tout dans l'espace. Puis après, on buildera la prochaine fois, tu vois. On a le temps de commencer. Descendre un bloc tes blocs. Mais c'est primordial ça de descendre un bloc mes blocs ou c'est juste pour la déco? Ça je peux le faire en off ça. Juste la base où va atterrir la fusée là-haut. Un vieux bousin cubique quoi. Ils te font mal au crâne non? Je vois ce que tu veux dire. On voit les couilles.
Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, si là je build un truc de merde en cobol et que j'envoie dans l'espace, est-ce que ce truc de merde en cobol je pourrais me le changer après en fait? Du genre. Ou est-ce que ça sera la base de ma station spatiale quoi qu'il arrive? Oui, je peux le changer après. Ok. Donc en fait, là je vais juste faire un carré dégueulasse en cobol de la taille du launchpad, je le truc, je l'envoie dans l'air, ma fusée atterrit dessus, et nique sa mère. Concrètement. Ce qu'on va faire. Et je la décorerai la prochaine fois. Enfin, décorerai. Peu quittant. Bon, c'est good, toi tu peux décoller là. J'ai mis le satellite dedans. C'est quoi VEL? Vitesse? Vélocité, vitesse, ok. Tiens, le fuel. Adieu! Oh, adieu! Oh! Apparemment qu'on la retrouve la fusée. Ok, le mec il tourne avec sa fusée là. Ouais, qu'on la retrouve quand même, hein. Ce serait con, mais. Ça serait bien. On va voir la prochaine où elle va atterrir. Juste celle-là on va check, on va voir où elle va atterrir. Et à la vélocité quand elle descend. Là je vois rien. Je vois que c'est caca là. On a peut-être des vops. Peut-être tomber dans la lave. Et ça cramait tout le fuel, ça fait boum. C'est marrant que ça fasse ça en vrai. Enfin marrant non, parce que du coup ça me pique les ressources. De toute façon là, sans niquer, en soit j'arrive pas à trouver les fusées. Par contre, c'est quoi un peu la fusée? Allo? Putain, j'ai vu des flammes, c'était Blacky qui faisait le con dans les airs. Ok! Et on bait tout petit air. Ça sent le rip là non? Ça redescend plus. Ah bah là elle est partie à la conquête de l'espace. Et moi j'y ai une couille en headchunk de limite là. Fais un petit tour. C'est plein un petit tour, fais le fast là. Bon bah s'il y a un truc qui brille c'est ma fusée. La lumière est pas une fusée là-dedans quand même. C'est une torche. C'est parti pour un world tour. Après je tombe dans l'eau, je suis niqué quoi. Quoi que ça brille un peu dans l'eau tu me dis. Ah il est pas con avec les creepers qui pètent ouais. Pas con, faudrait que je clé mes zones. Faudrait même que la jungle clone en fait avec les machines. Tu verrais pas sur la map le truc qui brille? Non. Non parce que le truc qui brille en dessous moi on voit rien. Alors ça c'est une ruche.
Ouais bah écoutez C'est marrant parce que la seule fois où j'ai pas touché à la machine me montrant l'altitude, c'est la seule fois où j'ai eu la fusée qui est revenue. Après les coïncidences, j'en sais rien. La fusée elle est pas dans la base. Ah, c'est chiant ça. Alors faut que je link mon truc en attendant pour qu'elle revienne. Truc qui a rien à voir mais. Merde. Bah. Oh mes trucs. Mais qu'est-ce que toi petit truc? Normalement il me restait un truc à link là. Il est où? Genre ça. T'en avais fait 3? Alors, émeraude et redstone, peut-être rester là-bas, hein. Peut-être bug. Hein. J'ai mis un satellite banane, j'étais con à ce point. Ah, j'ai peut-être montré, j'ai peut-être lock. Hein. Eh, c'était parce que je l'ai mis dans. Bah non, parce que j'ai mis un satellite aussi pour la première. Peut-être que si tu mets dans un satellite, elles reviennent pas. Hein. Ah, mais non, mais c'est pas le satellite qu'on veut, putain, c'est fusé, je suis un connard. J'en ai marre d'avoir cette voix défoncée. Tac tac tac. Pourquoi t'as build dessus Blacky? Lis le chat. C'est de la merde, j'ai mis slick une deuxième couche. C'est de la merde ces machines. Bon, je vais refaire un petit tour en vrai. Et puis on va concrètement abandonner la fusée après. Hein. En pire, c'est pas grave, j'ai de quoi en refaire une. J'ai théoriquement de quoi en refaire une. Donc, on va dire. Ah ouais, ça se trouve, c'est suffit qu'il atterrisse là-dedans, peut-être que c'est la nique. Hein. Mais même, on aurait vu la colonne redescendre, parce que là, la fusée d'avant, la seule fusée qui a atterri, on l'a clairement vu à 3-15 km la fusée, genre. Tu vois une grande colonne de fumée, bon. Oh, j'ai passé la nuit, Blacky. Sinon, tu vas péter et tu vas te faire dézinguer le fion. Voilà. Alors, la nuit c'est ici pour la skip. Et là maintenant, on va voir pour la station. T'as quasiment plus d'énergie, non, je sais pas que je sais, j'ai quasiment plus d'énergie, mais ça me suffit pour la vie. C'est tellement long de toute façon à recharger le jetpack que. En vrai, faudrait que j'aille FK en fait à côté pendant 15 minutes, tant que ça recharge. Du coup, pour la station, comment que ça se passe? Qu'est-ce qu'il me faut de beau? À la hauteur ou pas? Je voulais monter un peu plus quand même, sans jamais. Quand t'as filé 4, t'as perdu 50%. Et encore, il y en a une, je vais faire revenir exprès. Hein. Alors là, qui t'a dit quoi?
Concrètement, je construis mon petit truc de dirt là. On va faire plus petit parce qu'après sinon je vais pas avoir assez de blocs. J'arrive avec quoi? Un PC. Et avec OBS Studio comme échelle. Et plein de copies avec la station leadership. Pas con. Et bah go. Et du coup après la station leadership, c'est tout que tu mets dans la fusée pour y aller? Dessus? Ok, il y avait un moustique. Ouais, une roquette pour la station. Roquette. Alors, une fois que j'ai fait ma plateforme, il me faut une satellite bay. Salut la brille, comment ça va? Ah putain, mais à chaque fois j'ai écrit le bon truc et je refais un truc. Ah! Tu m'as cette idée la plus. Okay. Je me terre, donc quoi? Quand tu mets les plateformes, on va être mis dans un satellite bay. Ensuite, j'imagine que cette satellite bay, je la fous sur la station, enfin sur la fusée. Et ça expédie tout dans l'espace. Et comment je sais où est ma fusée? Comment je sais? Enfin, comment je sais où sera ma station, je veux dire, et comment j'y retourne? Ah oui, que okay, c'était Italy Chip, je le garde. Ok, ok. Eh ben. Donc là, en gros, ça je fais ça. Là, je fais ça. Ça m'envoie là-haut. Là, Edit Chip, je le copie-colle. Je copie-colle où? Je copie là-dedans. Genre je fais un deuxième station ID chip. Voilà. Ça, j'en ai un de stockage. Je vais prendre un linker du coup. Ça on a dit je voudrais quoi? J'aime plus. Déjà on va. La fusée elle est pas bulle là. Nerf. Ici tu mettras un fusée pour t'y rendre. Ok. Mais dans cette fusée là j'ai besoin de la mettre ou pas? Ou ça va spoiler quoi qu'il arrive là il faut. Non, ok. Il faut le guidance computer. Bah là du coup non il le faut pas. Le guidance computer il le faut que si jamais je veux y aller non.
Là, je peux pas me guider, de toute façon, là, je l'envoie à tel un satellite. Je pars avec la roquette. Pourquoi je partirais avec la roquette? Famille siège. Je pars avec la roquette là? Donc tu envoies, faut savoir. Bon, c'est quoi? Nique ses mères. J'espère rien avoir oublié. Si j'ai oublié, tant pis. De toute façon, on sait qu'on la retrouvera pas la fusée. Après, j'ai pas mis de l'eau. Radio Samigos. T'as mis la station dedans? Oui. Mais non, ça va pas un problème. J'ai cul con, mais. Moi, je suis parti avec la fusée. Mais pas besoin. Sans la station, je la décorerai demain. Enfin, je la décorerai plus tard. Faire un truc un peu classe quand même. Déjà, il va falloir finir cette salle. Mais à la rigueur, là, à la rigueur, le build et tout, en fait, je ferai peut-être demain après-midi pour un live tranquille. Pas si jamais tu veux stop, Blacky, si t'en as marre, je continuerai demain après-midi en live quoi. Okay. Petit live farming là. Vous faire une autre fusée pour y aller. Moi j'ai la foi dans le fait que la fusée redescende. Il y a un bouton aller-retour, faut cliquer quelque part, j'ai même pas fait gaffe. Il n'y a pas de bouton aller-retour. Non mais j'ai ça pour troll. Pas de fusée retour non plus. Hein. Il y a une fusée aller, mais fusée retour c'est YOLO. Hein. Eh, ça fait quand même combien? Ça fait 3 fusées sur 4 que je me fais enculer là? Peut-être que ça peut pas atterrir sur le VR, qu'à chaque fois que ça peut atterrir sur le VR, ça revient pas. Hein. Qui sait? C'est ça le problème. Hein. Tu les verras dans ce cas-là. Mais non, mais ça se trouve en fait, le truc bug complètement. Il revient pas. T'aurais dû partir avec. Allez, couilles. J'ai pas partir avec chaque satellite non plus. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est un bloc plein, mais tu peux pas mettre de torches. Ah bah si, parce que c'est un truc d'extra U, donc si. Non, bah j'ai rien dit. Non, bah non, c'est de la merde. Et une autre fusée dans le cul. Je suis sûr en vrai, hors live, je fais un truc d'exploration, je retrouve les 3 fusées. No joke. Déjà, il y en a 2 qui brillent. Mais ça m'étonnerait que ça puisse vraiment atterrir un peu n'importe où, genre. C'est pas chunkloadé en fait, genre ici, what. Ça m'étonnerait que ça puisse atterrir un truc qui est pas chunkloadé, tu vois.
pas la logique du truc. Le nom du mode c'est Advanced Rocketry. Salut Super Pardini. Comment vas-tu? Ça me casse les couilles d'avoir cette voix de handicapé là. Mais Félix il va se couler, il va retrouver toutes les fiches chez lui. Eh mais déconne. Non mais déconne, attends, on va faire un tour chez lui quand même. Ça se trouve ça atterrit que dans les endroits de Jean-Claude, hein. Non parce que Villa il est Jean-Claude. Bon. Il a pas de fuyer chez BX. Il a paf dans la forge. Ah bon, je vais dire que c'est pas grand chose. Bah ouais, bah je sais pas où elle peut être hein. Concrètement j'ai des doutes. J'ai des doutes. Dodo, ouais t'inquiète. Ouais j'ai le pack 1%, t'inquiète. La fusée est restée dans la station. On verra bien en y allant. On verra bien en y allant. On fait quoi? On fait un aller-retour à la station du coup? On leur fait une petite fusée, aller-retour à la station. Tranquillou. On se fait ça? D'ailleurs on se fait ça. Et du coup faut le craft la merde. Salut NTM. Comment je vais? Bah mon lad. Sinon ça va. Alors tu viens avec moi Blacky? Non je suis né là ça. Il fait genre il travaille là. Ok. Faut un truc là, je sais plus c'est quoi le nom putain. C'est me dire en fait avant même que de toute façon je le trouve. Wesh. Mais il est où le truc? Oh. Ceux qui se demandent ce que je cherche qu'on fout sur la putain de fusée. On nous connaît. Pas en bas, qui danse. Je suis aveugle. Ah la 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 quelle idée. Je l'ai encore ça. Mais je l'ai encore. J'ai besoin de rien en fait là. Ah non. Ah ouais. C'est merde. Oh les chauves-souris, c'est mort. Oh. Oh. Et il est où mon truc? Si je l'ai encore. Non, vous voyez que les premières disparues. Tâche kill en Titi. Comme ça, je suis sûr de pas retrouver les fusées. Ok. Comme ça, au moins, je suis sûr que les fusées elles sont mortes. Des cobblekin. Jérémy Slick. T'as reposé un truc full. En plus tu fais ça avec la one-shot du cul. Ah j'ai vu Draconite.
Alors. Pourquoi il y a des co? Si je décose, parce que j'ai des gosses blocs. Ah, tu fais clic droit dessus. Clic droit dessus, ça les replace. Pas mal. Sachant que... Tac. On va faire un clic droit, c'est un bloc adjacent à un bloc, c'est vrai? Oh, je pensais juste que je cliquer dessus. Bon, les sièges. Bon, il est sur le côté, c'est pas grave. Du coup, ça je le fous dedans. Merde, faut que je build. Un shit de score au cas où. Hé hé. Bon, pour qui? Bon, nique sa merde le Lynx. C'est bien. Destination Station One. Oh, qui pour Eka, c'est vrai. Enfin, et du coup, tu es en droit de douter de mes compétences. Toi aussi, tu t'es retrouvé comme un con, j'ai l'impression. Bon bah. Inch'Allah, j'aurai pas besoin de fuel pour le retour. Ah, j'en ai un rap, de toute façon. J'appuie sur Shift! Oh! J'allais partir sans la fusée! Putain. Ça avait rien vu. Il voulait juste envoyer la fusée. J'aurais été comme un con là par contre. Parce que bon. Et je suis clavier, mais non, mais je pensais qu'il fallait shift click pour voir le truc en étant sur la fusée, mais du coup ça m'a sorti et ça m'a ouvert le truc après. Et là tu vois un gros bousin de dirt dans l'espace. On a failli avoir une disparue en plus. Je pense que je vais faire des tombes. Je vais les renommer pour chaque truc. Satellite numéro 1, satellite numéro 3, Space Station. Ouais, je peux plus sur l'espace là. J'ai failli appuyer sur shift hein les gars. Wesh. Normal. Don't worry. Je worry pas. Ça ressemble quand même grandement à notre base. Ah. Ça ressemble grandement à un truc codec le cul. Et là, si tu tombes dans le vide, ça fait quoi? Ah, trop bien en plus, t'es.
Oh! On fuit, putain. Et là, j'ai pas le jetpack, les gars. Ça, c'est un petit pas pour l'homme. Une petite maison. Voilà. Il fait la déco. Ah, je suis déçu, les loots ils veulent pas. Par contre, la fusée, t'es pas en train de décoller là, j'espère. Ne fais pas ça, hein. C'est très chiant. C'est pas que je vois rien, mais. Non, j'agrandis, j'ai la plateforme pour ce qu'ils se demandent. Faire full iron block. Non, mais en vrai, au pire, la Space Station, je vais la faire avec. Bah, pas forcément ce qu'on a utilisé parce que le motif cassera un peu tout. Mais il faudra qu'on utilise un truc en blanc en fait aussi, un peu. Un peu de la couleur du truc qu'on a fait en bas, mais sans le motif, quoi. Concrètement. Ou alors du quartz. Un truc vraiment épuré, genre du quartz. Du quartz, du marbre, truc dans le genre, quoi. Et hop, le prochain disparu, c'est Ike. Vous moquez pas. Laboratory block, ça pourrait être sympa pour une station spatiale. Faut voir, faut faire des tests. Et prendre de la couleur. On verra bien. Le concrete blanc, bon, il est tout sauf blanc. Et le quartz. Oh, mais faut avoir. Faut d'avoir. Après, putain, le bloc de quartz Enrich Iron, il aurait été sympa pour la salle. Pour la salle avec les fusées. Et béton blanc en zag. Ah mais il est moche, béton blanc en zag. Oh, il y a un bloc de quartz en zag. Bah go bloc de quartz en zag, hein. Écoute. Dans le vide pour voir si tu veux. Attends, j'ai plus de fuel. On va essayer de faire le con. Normalement tu vois la terre. Oh, faudra me dire où. Non, t'inquiète dessous. On l'a joué RP. Saute dans le vide. Non mais les gars, j'ai pas laissé la fusée. Je me barre pas sans la fusée moi. Puis la prochaine elle va être niquée pour revenir donc. Mais j'ai pas de fuel. Il me reste 46 000. D'autres. Ok. Oh. Oui. Je peux aller jusqu'où comme ça? Loin apparemment. Et rassurez-moi, si tu vas trop loin et trop TP dessus. Parce que. Là, par contre, vu que je suis loin. On va faire un test, non? Oui, c'est infini. Trop bien. Bon. Trêve de plaisanterie. C'est l'heure de partir. Destination inconnue. Fais pour le compteur. Hein? J'ai pas ça, moi. Si je fais clear, ça fait quoi? Ouais, c'est une bonne idée. Et du coup, question con. Wesh.
À vous. Et tout cassé. On revient en sortir direct. Inch'Allah. Et ça a pas cramé là dehors avec mon décollage? Pas très solide comme station spatiale quand même. Destination Unreachable. Ça sent le cul ça quand même, non? Et la maison elle est en bas hein. La maison elle est en bas. T'es de l'autre côté. Oh, je sens pas. Je sens pas. J'ai atterri sur la lune, j'ai rien comprendre. Non, ça va, je suis la base. Bah qui tu ferais gaffe, je vais t'écraser. J'ai shift. Je peux pas d'altitude. Ah oh, c'est bon. C'est bon, j'ai stick mais j'étais dessus. Parce qu'en plus cette cône de fusée elle est invisible. Mais en même temps, moi je sais quoi, moi je sais pas. Moi j'ai réflexe de sneak pour descendre, comme dans 90% des jeux, tu vois. De toute façon, on sera descendu au bout de 20 secondes. Voilà. Coucou. J'ai envie de tester de me mettre en dessous. Ah, vas-y, hein. C'est pas très RP pour le coup. Je pense que là t'aurais carbonisé mais pas très RP. Choqué et déçu. Bon, et écoutez, on a la station spatiale, on a plein de choses. On a les satellites en orbite, on a des machines qui bug, on a des machines qui se désassemblent, on a des fusées dans le néant, c'est cool. Donc voilà. Et bien sur ce bon les amis, je vous remercie d'être venu ce soir, c'était bien cool. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis rendez-vous demain soir pour la suite. Peut-être qu'il y aura un live dans l'après-midi pour build, si jamais c'est pas build, pour machin, je sais rien. Pour décorer Space Station, je sais pas trop, on verra bien ce qu'on fait. Mais il n'y a rien de sûr. Donc sinon, bah, je vous dis rendez-vous demain soir pour la suite. Et puis voilà. Donc portez-vous bien, passez une bonne fin de soirée. Rendez-vous à la prochaine. Et au revoir. Ah, c'est pas le bon. Je sais bien, je sais bien. Je sais bien, je sais bien, HL. En soi, c'est des vrais lives, les preuves.